Suivi la caille haïti.com, mesdames et messieurs, jeudi c'est mercredi, non, jeudi c'est mardi, et 3 septembre 2024, nous comptons avec vous sur Chanel pour la Chanel Information. Suivi la caille, jeudi en là, nous comptons un autre bulletin d'information pour vous sous actualité yo, et conjoncture politique là dans le pays d'Haïti, dossier insécurité. Et nous là pour nous informer. Bon, n'a pas dit merci à tout le monde, nouveau et ancien abonné, tout le monde, merci en général. La police confirme, mesdames et messieurs, dans la conférence de presse, eh bien, il a continué et marché sous bandio, il a continué marché sous Valparaiso, sous Malandrin, et bandi ça qui mettait population haïtienne dans un petit soulier, qui fait pas qu'à vivre, pas qu'à dormir, pas qu'à manger, pas qu'à circuler, eh bien, je dis à la, il a décidé dans tête collée, acclamé d'Haïti, mesdames et messieurs, pour le bail, nek examio sa yo mérité et yo confirmé que quand pile nek qui tombe, et gen kap continue tombe toujours, parce que autant que yo pa nettoyer pays sa, yo pa pren pose même, parce que faut que yo délivre Haïti, en bas men malfois sa yo, que nous pral invite yo, gagne plus détails dans la vidéo sa. Je vous dis là, la Médaïti gagne un nouveau équipement, tout équipement qui était pour CNE, nous connaît qui, eh ben, c'est une instance dans le pays, avec qui là pour nettoyer et question fatra briganda et dans pays. Mais je vous dis là, pas qu'on est pour qui sa décision ça prend pour transférer tout matériel CNE au bail nèg la Médaïti. Nous pas qu'on est raison, eh ben, dans la vidéo ça, mesdames et messieurs, nous pourrons inviter ou gagner plus détails, raison qui fait, mais je vous dis, matériel ça au aljoint la Médaïti et gagner recrutement qu'a fait là, pour capable de gagner plus soldats dans l'armée pour aider la police fini à question insécurité dans le pays. Kenya même nous pas connaît pour qui ça là, est-ce que c'est pour venir faire demoiselle Haïti, est-ce que pour venir manger haïtien ou bien tout nous pas connaît, parce que je dis à la Kenya ont commencé à râler derrière eux dans opération yo pas les bataille dans opération pas les porter bourré, et ben voyez là yo tourner la caillou et comme ça n'a payé Kenya yo, et ben acheter plus matériel by la police acclamée d'Haïti pour capable raser bandi. On écoute pour plus détails n'a tout Jacques Mbaka, porte-parole de la multinationale de sécurité et de soutien. Nous gagnons tout le lieutenant Gamel Junior Laura, porte-parole de la des forces armées d'Haïti. Nous pas rencontré Konyala pour nous parler de bilan opération Cap Mené dans grand bloc que m'a cité là. Puisque opération a beaucoup fini. Mais nous là tout au moins d'abord, pour me présenter nous, et porte-parole entité qui fait synergie avec PNH là, pour mener opération, ou tout au moins, pour commencer avec une grande série d'opérations, ça y est, certainement qu'après quelqu'un l'autre qui a fini. Et dans un second temps, faire au moins une mise au point sous état d'avancement opération qui a mené depuis environ 7 jours. On nous commence par parler des objectifs opération ça. Objectif opération ça, c'est d'abord récupérer espace que bandio occupé depuis plus passé 3 ans. Météo hors d'état de nuire. Garantie enfin circulation moun ad bien dans espace ça. Qui espace comme ça, opération ça concerne? C'est Badelma, Bel Air, Fort National, Axolino. Donc, pas de gain accès. Ils ont parti dans Fort National plus ou moins libéré. Badelma, côté circulation plus ou moins à Goudran. Et que moun véhicule capable de circuler, tant qu'on est capable de remarquer ça. Plusieurs bandits sont arrivés à stopper, ou bien continuer à stopper, puisque l'opération a continué. Bandits ont stoppé après échange de coups de balle avec la police. Dans plusieurs points de cachette,
bandits ont utilisé plusieurs espaces, tant à la fois public que privé, pour être capable de mener action criminelle et permettre, empêcher, pardon, population vaquer à activité. La police, dans le cadre d'opération, ça, rivé libérer espace et plusieurs bandits rivé stopper après échange de tirs. Il y a un bagage qui est important, nous besoin attirer attention population, c'est que contrairement à ce qu'on fait dans le passé, nous pas contenté non seulement de libérer espace, mais la police consolider espace pour bandi yo pas permettre yo retourner encore pour yo venir nuit population encore une fois. Plusieurs armes récupérées. Plusieurs arrestations il est fait. Malheureusement pour nous, nous avons des policiers qui blessés. Mais nous voulons assurer la population. Nous voulons assurer la famille vaillant policiers. Institution, commandement, te fait tout ça qui te dépend de lui pour te joindre soin que caillou te nécessité. Et pour le moment, le moins que nous sommes capables de dire, yo hors de danger. Commandement la police là a profité pour le renouveler détermination pour le combattre banditisme sur toute étendue territoire avec mariage police-population. Oui, c'est possible. Nous commençons ensemble, nous avançons ensemble et nous arrivons ensemble. Merci la presse. Moi, prenez en pile dans nous à temps bilan. Ça viendra de fil en aiguille au terme de l'opération. Nous sommes capables de présenter le bilan. Nous remercions nous parce que nous sommes venus. Merci à porte-parole Force armée d'Haïti qui honore nous par présence dans le cadre de ça. Merci à porte-parole et contingent kenyan frère nos amis nous dans la MIA et tout personnel CNU il va transférer dans l'armée avec ministère de défense l'armée ministère de défense OK qui sous tête l'armée et puis ministère travaux publics transport et communication. Non mais la question de Pierre Martin est claire et Isaïe César, c'est que est-ce que moun sa tout il y a tout pour formation pour capable ville militaire dépendamment de l'âge ça qui voulait pas même d'a parler avec on écoute le ministre pas dans cas net. OK, et pour capable faire mes chapitres et l'armée monsieur, l'armée a gagné une nouvelle porte-parole qui s'est Juni, Laura et Ganem. OK, donc depuis que l'armée a été remobilisée, donc c'est la première fois que l'armée a gagné une porte-parole officielle et elle a été présentée donc par le porte-parole de la police nationale d'Haïti hier, donc dans le cadre d'une conférence de presse. Donc madame et lieutenant Juni Laura Eganem, c'est la nouvelle porte-parole de l'armée et d'Haïti, donc les forces armées d'Haïti. Donc désormais ou ben nouvelle en façon là ou ben nouvelle en façon là m'da souhaiterais bailler encore li parce que grand force côté là dans lui j'en bailler là. Alors, peut-être qu'on va poser des questions pour ça, c'est pas pour la police qui est là. On dit pour ça, c'est pas pour... Je ne pas comprendre. Non, c'est ton confiance conjointe qui t'a baillé entre l'armée, la police et les forces et kenyanes. Nous avons une conférence, donc c'est la police qui gagne. OK, et qui t'a mené la conférence là. Donc, tu es invité, l'armée à venir présenter et porte-parole là qui c'est un capitaine. OK, dame dans son lieutenant non capitaine et il est formé en Argentine et puis il a une licence OK en communication sociale, il a une licence en communication sociale, il est formé en Argentine, ils sont capitaine. Donc et actuellement c'est lui même qui porte-parole, qui fait l'office de porte-parole et l'AMEA et a tiré trois mouns sur table là. Oui, tiré trois mouns. Tiré trois mouns. C'est pas comme si la police présentait capitaine. Non. Alors, ben, là, il t'a mal sonné. Où saisit question à Louko? Non, mais c'est important, précision, ça que nous faisons matin. Parce que moi-même, l'aime tant d'informations matin, moi, je dis que, gon problème là.
OK, ah, comment ouais. La police va faire présenter donc porte-parole de pour l'armée. Non, c'est pas la police qui présente porte-parole là. C'est l'armée a présenté, l'armée a présenté un porte-parole pour l'armée. Alors, il y a des monde qui a posé question, il y a des monde qui a fait amalgame sur les réseaux sociaux ou bien un peu partout à travers le pays. Ya. Ça on pas connaît c'est que à travers le monde l'armée toujours des porte-parole, la police toujours des porte-parole. Et puis on a là, il y a monde qui a dit oh pour qui ça et ramo appelé de parler ou bien pour ça et la police appelé parler mais c'est normal les moun yo pas parler pour bail information de détail qu'a fait nous les bail nous dit que yo pas parler yo pas communiquer mais c'est normal pour la police communiquer minute par minute seconde par seconde qui ça qu'a passé d'ailleurs qui ça fait ça crée un impact sous population si la police pas bail information sous des bagages qu'a passé sous ça qu'a fait sur ça qu'a réglé les Sanbral dit qu'on déficit de communication mais c'est normal pour que la police présente bilan de temps en temps de activité la menée chaque fois chaque fois gon bagay qui rivé il faut que porte-parole vienne by population correct parce que la travail pour la population très bien faut éclairer population très bien. OK monsieur, on allait quel est l'impact global de l'insécurité sur l'économie haïtienne? Ça c'est le deuxième point à regarder ensemble matin dans l'émission Matin Débat. Invitez-nous donc à ce sujet c'est Thomas Lalim d'ailleurs le texte est donc de l'économiste Thomas Lalim qui publié donc dans le journal Le Nouvelliste. Donc après le tremblement de terre